Alors Renault Master Hydrogène 700 km d'autonomie. Il se recharge donc en 5 minutes. Et il sera dispo fin 2025, apparemment. Mais encore une fois, tu le recharges comment ton truc? Enfin, où sont les bornes hydrogène? Dites-moi, où sont, à part Paris, quoi. Les grandes villes, peut-être. Lyon, Marseille, peut-être. Allez. Mais la France, par exemple, la France, ça ne se limite pas à ces villes-là, en fait. Un artisan qui habite dans la Cambrousse, il veut se lancer là-dedans, dans l'hydrogène. Comment il fait pour recharger son véhicule? Vous pouvez m'expliquer? Comment il fait, quoi? Bah, il peut pas. 47 kW le pile combustible, un moteur électrique de 120 chevaux, une petite batterie de 20 kWh. La marque proposera des versions 3, 5, 3 ou 5 réservoirs d'hydrogène embarqués sous pression, soit 7,5 ou 9 kg d'hydrogène. Le plein se refait en 5 minutes et donne 700 km d'autonomie. Alors, vu qu'il y a une batterie de 20 kWh, j'imagine que pourra le brancher le véhicule. C'est pas précisé, mais bon. Après, avec 20 kWh, tu vas pas loin avec ce truc-là. Hein. Tu fais quoi? 80 km, quoi, à peine. 70. Et encore à vide. Avec le plein, t'en fais 50, allez. Chargé à bloc. Dans le coffre, entre guillemets. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. La benne, voilà. Bref. C'est bien de faire des véhicules hydrogène, encore faut-il qu'il y ait des stations partout. Et que le prix de l'hydrogène soit raisonnable. Ce qui n'est pas le cas du tout en ce moment. Quel est votre avis là-dessus?